J'ai été fasciné par l'incroyable histoire de Poupetta, qui connaîtra un destin extrêmement romanesque, hein, parce qu'il est traversé par le tragique de la passion, il est frappé en même temps par la fatalité et par la malédiction. J'ai surtout été fasciné, sensible, ému par cette femme forte, cette femme d'honneur, cette femme puissante, cette femme courageuse qui ne craint rien ni personne. Cette madone qui n'écoute que son cœur pour aller restaurer l'honneur de son amour perdu et lui rester fidèle. Et c'est évidemment la chose qui m'a profondément touché. J'ai été fasciné par un destin, par son destin et puis par la forte personnalité de cette femme sincère, spontanée, encore une fois, qui n'écoute que son cœur. Je trouve ça assez admirable parce que ce qu'elle réalise, en fait, pour moi, cette vengeance, c'est le geste inconditionnel de l'amour. Et évidemment, ça ne pouvait que toucher un écrivain qui s'intéresse aux choses de l'amour.